Jeudi, c'est 23 novembre 2024. Mesdames et messieurs, gros point au cap dominé actualité à matin. Donc, Donald Trump fait premier noir choix, et yon noir. Donc, fait premier noir comme choix. Un monde qui a fait partie de cabinet LIA. Et hier, qui était vendredi, c'était un jour, côté Donald Trump était vraiment rempli cabinet. Cabinet a censé finir rempli là. Moi, pour aller, ouais, ensemble avec vous, différents mounes que monsieur Ali choisi pour différents postes dans le gouvernement Capral monté 20 janvier Cap Vinila. Donc, un bon Jean Creole, ça veut dire premier noir. Monsieur joué un rôle très, très spécial également. Vous pouvez aller tout détail dans la vidéo, ça, mesdames et messieurs. Briganda et scandale dans le pays États-Unis, côté que yon mette en bas code, et bien yon dame, lui-même c'était trésorière litéye, et bien dans Arizona, côté dame ça, l'arrivé volait 38 millions de dollars. Ça le fait tout comme ça, MPH. Chita l'am pour le bon détail. Donald Trump prévoit attaquer démocratie sous élection 2020. Comme lui-même qu'on y a li prend pouvoir, et il déjà a monté une équipe qui pral faire enquête pour est-ce que tu as une fraude dans l'élection qui a venu Joe Biden si il découvre que tu as une fraude dans l'élection 2020. Les États-Unis rivent déporter un ancien commandant l'armée colombienne. Pour qui ça? M'bral di ou pou ki sa, nan vidéo si la, pou empêche immigrants yon rentre, yon résolution, donc yon décision qui te fait face avec un pile obstacle sous gouvernement Joe Biden nan retourne pour en place li nan état Texas. Faut qu'on fonte tant même ka bon plus détail avec image nan vidéo si la. Nou gan pile nouvelle, mais je dis an, c'est samedi lié, nous pape trop chargé et tout, nan bon bagay ki important ou dans la communauté a, ou la faut qu'on qui ça cap passer. C'est pas seulement blanc pour qu'on ait ou c'est américain haïtien ou pas gain temps pour faire nouvelle chita devant télévision ou gon téléphone dans mon faut qu'on ça cap passer mais sous MPH ou pas manquer nouvelle. Nouvelle pays d'Haïti ba tête fait mal mais faut qu'on baili parce que c'est haïtien yé. Dans pays d'Haïti nous gain ti china avec ti diab de nèg sa ont assemblé boue de l'eau bouche yo après ça la police ta fait connait mesdames et messieurs. Donc ti china et ti diab c'est nos deux bandits qui fait partie de base barbecue tombé en bas balle la police dans cadre d'opération miscle la police rive mener dans fief barbecue a qui yo et kadash Nikov, la police rive récupéré côté Jimmy Cherizier alias Barbecue te couri qui te zamza parce que la police gèlè tap takle monsieur yo. Selon ça, la police la li même li fait connaître sous page réseau social li. Réveil national pour souveraineté d'Haïti critique déclaration président pays la France là qui insulte membre KPTA. Nous pouvons jamais connaître ça n'a dit. Moun coordonnateur national bloc avocat engagé pour libération prisonnier politique ak pour défense droit moun yo Caleb Jean-Baptiste nous je doit être bien long sous plusieurs banques yo dit ki kimbe dollar américain yo mande BH pour responsabilité pour faire banque yo respecter taux du jour là BH fixé yo. Cependant li critique déclaration président français Emmanuel Macron sous conseil présidentiel transition li exige j'ai payé la France présenter excuse biblique ou bien déclarer persona non grata ambassadeur français à notre pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, dossier Emmanuel Macron qui dit monsieur yo c'est des imbéciles si toutefois yo imbécile stupide si toutefois yo crase gouvernement yo parce que yo pas fait République dominicaine plaisir ça nous bat bravo pour nous même peuple à 100%. Et quel que soit nèg qui dit c'est pas vrai donc k'a vinn défendre ce pétro là on pas aucune raison nous pas gain droit craser propre gouvernement nous à cause et nous gagner yon moun qui pas faire ce domaine plaisir et puis qu'on a vinn défendre on nous pas qu'on l'en prendre décision ça yo donc moun international t'a brè bouche nan cause nous faut que nous suspend déchirer yon lot pour nous capable faire blanc plaisir. Bon, vous voulez faire Saint-Domingue plaisir et puis qu'on est demandé pour Saint-Domingue, pour la France lui-même lui demander excuse. Nous plus que stupides. OK? Nous plus que stupides. Nous pas qu'on doit craser. Yon gouvernement qui monte,
après 5 mois. D'abord, l'elle monte après 5 mois, nous connaît que 5 mois, nèg la monte sous pouvoir, elle prenait pas 3 mois pour le monter au gouvernement. Après ça, elle peut pas résultat, nous créons asile. Donc, dans l'administration, normalement, moi, bayon moun 6 mois pour moi sous 4 ans avec moi. Ok, au lieu de 3 mois, moi-même, moi, bayon moun 6 mois pour moi sous 4 ans avec moi. Automatiquement, après 6 mois ou pas 4 ans, m'a déposé sans aucun problème. M'a dit merci beaucoup. Parce que je ne suis pas pour venir jouer, pour venir travailler. Donc, mais en gouvernement, pour monter 5 mois, nous craser. Donc, nous tous net de descendre. Puis, il n'y a aucun nègre dans l'opposition qui vient défendre ça. Pas ni par Emmanuel Macron raison, pas ni défendre ça. OK? Et, on ouais, et je dis là, excusez-moi parce que j'ai un fanatique qui besoin vraiment contact Léon Serené. Et c'est Evis Cadet. Evis Cadet. A demandé pour Léon Serené qui a demandé pour Evis Cadet donc qui nan Miami donc Evis Cadet Léon Serené a demandé pour lui pas joindre numéro de téléphone nous lui demandé pour rentrer en contact ensemble avec lui s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, en pile monde qui t'a demandé numéro de téléphone pour faire business, eh bien nous retourner parce que coach là même dit moi MP ou gen tellement ou tellement yon moun, donc là yon vin papi le papa ket kon sa, yon soufri, parce que le pagita rele tout, je dis ou même qui vle ouvrir un business avec un poupi piti $240, ça dépend de poche ou, mon ka ale jusqu'à X, et avec pipiti $240, et écrit nan numéro sa, di MPH mou intéressé ak business l'on fait coach l'on rele. Nous tout kon principe sa déjà, mou pas besoin passer sous li, ça veut dire c'est simple, yon business ou ka bouvri actikras comme ça, yap même bon produit pour vendre pour cob ou investir là-dedans, ça veut dire ou paguer en rien pour capable perdu dans business ça. Mesdames et messieurs, donc la COVID membre, la COVID gen cob dans business ont commencé gen cob vinn membre channel là. C'est façon on ka remercie. Pas dire DMBH nous remercions, mais vinn membre channel là chaque mois ou aide moi $20 ou $25, l'a aide pour me capable payer bill et bien bureau ça et pour me capable continuer ba ou détail, ba ou information. C'est comme ça dossier à lui même lié, mesdames et messieurs. Donc ou même tout qui besoin énergie qui travail dur, donc ti produit, ti manger et n'a pas mangé, mesdames et messieurs, yo vraiment pas de vitamine là dedans, yo besoin bagay naturel, ça son bagay naturel qui vraiment booste yo, qui bon énergie pour travailler toute journée. Et puis tout sous ta moun ki pa ka danser la nuit, tout comprenez ça me dit là, ce sont messieurs mariés pour gen madame ou pa ka vraiment ba ti résultat la edo en pile et gen l'autre produit tout bien comprimé pour ça tout. Donc moi même pa prend pour danser là parce que m'sonne qui très occupé, m'bon pour que même énergique pour m'cap continuer travail. Grandi vin ap manger dans pays blag viande yo pa viande yo prend trop glace, nous besoin bagay naturel, donc ça son supplément naturel kapido. Bon, li bon moun ka fè sport, li fè corps dur. Et longtemps lèm te kon fè sport, lèm fè 2-3 jours m pa fè, m pèdi poids. Je dis même si m fè 2 semaines m pa fè sport et puis li toujou kembe m jam. On allez, donc nan même numéro on met mandé et puis y a bon comment pour gen la ka ou tout. Mais c'est pas boîte yo vini. De pour boîte la pral fini, donc nan moi m renouvelé chaque mois. Pour boîte la capable continuer venir grand nèg dans quarantaine à monter je dis en là m'pa ka juste compter avec boîte l'eau fret pour me connaître pour me kembe ko ali même naturel ça c'est pas produit énergique j'en content de mon abo Red Bull c'est pas ça ça c'est bagay qui 100% naturel yoyé donc pour kembe ko jam qui pa aucun qui pa gen aucun effet secondaire sous la vie ou. Donc n'a pas avancé avec nouvelle nous matin, n'a pas avancé avec information nous. Bon salut d'abord, bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est, espérons en forme. Si n'a pas regardé vidéo ça, nous là toujours et nous dit papa bon Dieu que nous c'est la gros merci que fait un cadeau. Yo jour en plus, non pas c'est MPH, zanmi yo le MP, ma belle Hélène MPP. L'autre boule sucre qui toujours à chercher yo non pour yo bon moins. C'est tout au plaisir pour me passer me fournir nos informations. Mesdames et messieurs, soit à peine venu ou la caillou abonné. Guys, moi exige pour abonner. OK, m'pas qu'à force ou non.
Mais si vous avez des informations, et pas de l'autre côté, vous avez joué ça n'a bon là, c'est ici plan seulement où jouez une information originale, officielle, bagaille qui confirme. Et tout ça nous dit, nous venons à preuve, c'est une façon ou même comme monde sérieux ou pas vouloir monter dans la rue. Ou pas qu'à parler et puis ça va dire, yo, yo pas existé aucun côté, nous pas qu'à dire bagay sous chance, le que ou abonné avec MPH, ou à joindre information de qualité, information originale, information confirmée. Blanc américain informé de tout ça qui a passé dans le pays a, ou même tout a informé en créole de tout ça qui a passé. Nous propres, nous sentis bon, nous clean et ça n'a pas dit, c'est pas nous même qui créons. Donc abonnez, c'est façon, mesdames et messieurs, pour capabilité informé en lien avec rubrique information MPH. Tout côté ou de moi, gadem, connaît ce canal qui est officiel, donc qui est autorisé pour capable retransmettre information nous. Si vous attendez, vous regardez, vous officiel, ok? Donc, si vous attendez seulement, vous voyez seulement, ou pas attendez, ou pas voyez moins, donc, en pile côté, c'est pas qu'on est, mais depuis ce côté, vous regardez, donc, on est, nous officiel pour capable retransmettre information, tellement, plateforme, vous commencez à monter en pile, et capable retransmettre travail, MPH lui-même, l'affaire, vous trouvez que l'important. Donc dossier cabinet hein, l'a monté, on connaît des monde qui a plein tout qui a écrit hier, pas joué moi, c'est pas de faute moi, il y a pas de téléphone. Donc monde qui gagne l'huile prospérité, l'huile de désenvoûtement et qui acheté yo, qui pour que joigne ou joigne yo, j'aime te dire non entre 21 à 25. N'a fait au package qui était délivré hier et qui sorti en Israël, mes amis, c'est en Israël tout produit yo, yo sorti, c'est juste pour cap aider nous spirituellement. C'est pas yo business, c'est yo aide, là non pas avlel. M'a juste dit yo stop li parce que moi c'est pas business moi ça mon gain business pam nous tout connait moi même c'est dans immobilier moi plus et la guette c'est l'argent moi pas l'argent mon gros l'argent de toute manière donc pour créer un bagage pour ti moun yo ak pour tête moi et me connait bon l'âge qu'a privé ne pas travailler trop dur encore donc nous dans immobilier donc mais et produit spirituel ça y a utile en peu monde parce que l'avion les plus spirituel que que le matériel. Sou pa konnen spiritualité, pa ordre oils moyo, sou konnen spiritualité ou kwè et bénédiction délivrance ou kwè que yo bon partie spirituel la dans prospérité ou kap toujours ordre. Semaine ça m'pa prend ordre du tout parce que m'le veut tout ça m'vient là yo aller net pour m'fini. Tu vois, m'vle fini avec toute liste ça, mesdames et messieurs, toute liste ça m'te fait secrétaire là écrit pour moi pour m'vle aller. Gien qui aller puis fort ou ka moi qui marqué sainte là yo tout aller. Par contre sou elle bien caméra pas prendre bien, OK bien liste là. Donc pour m'vle aller et sac poko bagay yo pour m'vle tout aller. Donc l'en fini liste ça clean et puis m'a dit non mettre prendre l'autre parce que moi-même baka nan tèt chou. Donc poser nous mettons moun ki recevoir pour que je une voice comment pour vous yo complètement m'a voye voice yo jodi an la m'a fin travail et m'pral chita nan machine là pour m'ka voye toute voice yo ban nous et puis pour m'ka konnen comment jodi samedi a nous ka commencer use oils nous sans aucun problème moun ki pote ko gen instruction. Well, Donald Trump, mesdames et messieurs, nous allons rentrer dans Donald Trump. Eh bien, Donald Trump, lui fait premier, lui fait choix premier black pour cabinet lien et ce premier black Donald Trump lui-même lui fait choix. Donc mettez accent sous black là et monsieur. Donc moi mettez accent sous black là donc parce que c'est premier black monsieur lui-même lui fait choix là mais c'est pas seulement monsieur ça donc Donald Trump lui-même le choisi pour cabinet a hier qui s'est passé a et mais Trump lui-même et mais Trump lui-même lui censé rempli et l'aime dou ça Trump censé rempli cabinet a avec moun m'cap dou ça Trump censé rempli cabinet a avec moun mesdames et messieurs. Donc cabinet a censé rempli avec moun c'est pas seulement black là on dit tout moun Donald Trump lui censé aimer faire choix semaine ça là si m'a regardé bien et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 et 15
15, 16, 20. Donc, plus qu'on 50 monde, bon, presque 100 monde, je m'ai regardé là, Donald Trump lui-même, lui qui t'a choisi pour cabinet, si là. Moun Donald Trump choisi gagné pour chef cabinet Maison Blanche là Bambaou et plus détails et pendant que n'a retiré Timaïsa les mêmes pour nous faire li automatique définitivement de quoi que c'est pas en même MP qui a besoin toucher en rien là pour capable être informé. Partagez, like s'il vous plaît. On va faire sauver les mais like moi et pas quitter pas mettre et soit regarder moi pourquoi abonner abonner. Ok, on nous allait vite, mesdames et messieurs. Donc, Moon Trump getan annoncé publiquement, gagné chef cabinet Maison Blanche-Lan qui c'est Suzy Wiles. Il gagné ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies qui c'est Elise Stefanik. Il gagné conseiller à la sécurité nationale qui c'est Michael Walls. Il gagné sa frontière yo qui c'est Tom Roman. Il gagné ambassadeur en Israël et monsieur choisi comme Mike Huckabee. Il gagné administrateur agence protection environnement qui c'est Lee Zeldin. Monsieur envoyé au Moyen-Orient. Steven Wyckoff, conseiller juridique Maison Blanche William et McGinley, directeur de la CIA qui c'est John Wycliffe, monsieur choisi comme département de l'efficacité gouvernementale Elon Musk avec Vivek Ramaswamy, secrétaire à la défense qui c'est Peter Hegseth, secrétaire à la sécurité intérieure qui c'est Kristi Noem. Chef cabinet adjoint qui c'est Dan Scavino, donc monsieur choisi comme chef cabinet adjoint encore politique à la sécurité intérieure, conseiller Steven Miller, chef cabinet adjoint pour des affaires législatives et politiques et publiques, James Blair, monsieur choisi comme chef cabinet adjoint pour les communications et personnel, Taylor et Budowich, monsieur choisi comme directrice renseignement national et Tulsi Gabbard, secrétaire d'État Marco Rubio, un bon Jean Latino, monsieur choisi un procureur général des États-Unis Pam Bondi, donc en place Matt et Gaetz, monsieur Saha qui gagne non trois cités dans dossier couche chaque femme, secrétaire à la santé au service social Robert F Kennedy, procureur des États-Unis pour le district du sud de New York, Jay Clayton, secrétaire aux anciens combattants, monsieur choisi comme Doug Collins, solliciteur général des États-Unis, Dean Johnson, procureur général adjoint, Todd Blanche, secrétaire de l'intérieur, Doug Burgum, directeur de la communication, Stephen Chong, directeur du personnel présidentiel, Sergio Gore, et assistance président, secrétaire du personnel, William Owen Schaff, et monsieur choisi, Sergio Gore, attaché de presse, Caroline Levitt, secrétaire de l'énergie, Chris White, président de la commission fédérale de communication, Brendan Carr, secrétaire au transport, Sin Duffy, secrétaire au commerce, Howard Lutnick, administrateur des centres pour services médicaires, Medicaid, Dr. Mehmet Oz, secrétaire éducation, Linda McMahon, donc nous avons secrétaire à l'éducation, yon ministère, Donald Trump lui-même, lui voulait éliminer ou bien changer. Ambassadeur auprès de l'OTAN, nous avons Matthew Whitaker, nous avons Scott Bessent, moun sa ou se moun qui choisit hier, Scott Bessent, secrétaire trésor, nous avons Roosevelt, qui c'est bureau, gestion et budget, Scott Turner, secrétaire département logement et développement urbain. C'est Scott Turner et monsieur ça et c'est lui-même Michel Black. Donc nous allons avoir plus de détails sur monsieur là qui m'ont lié parce que monsieur pas trop connu, trop populaire dans milieu politique là. C'est pour mon trois temps de nom cité, Mbradou qui m'ont lié, mais c'est un personnage et qui ont de très beaux renommés, monsieur choisi comme premier black qui fait partie de l'être là. Donc, est-ce que son façon pour montrer que monsieur Ali Patron est raciste, m'a dit que dossier raciste là, c'est pour un dossier mon tabou. Deux, trois, mettez accent sur lui parce que plus vous parlez de lui, plus vous attirez. Mais nous, c'est un gouvernement blanc.
OK, mais nous connaissons une série de lois là qui dit faut toujours mettre un noir dans mitan bagaille là. C'est un coup sur équipe football Donald Trump a fait avec blanc yo, mais li mettait un noir dans mitan pour capable mais empêcher une série de bagaille qui pral discuter mesdames et messieurs. Donc Scott Tourneur, nous pral parler. Nous gen Lori Chavez dit remet comme secrétaire au travail secrétaire du travail. Nous gen Dave Weldon, directeur de la CDC. Donc, nous avons Matty Macari comme commissaire de la FDA. Nous avons Jeannette comme médecin général. Nous avons Sébastien Gorka comme assistant adjoint du président et directeur principal de la lutte contre le terrorisme. Nous avons Alex Wong comme assistant président et conseiller adjoint principal à la sécurité nationale. Donc, c'est Jean de Mounsao, Donald Trump lui-même, l'irrivé choisi, aimé pour cabinet l'IA. Et dernièrement, hier, c'était une équipe Moon, franchement, et Trump lui-même, lui t'a fait choix pour cabinet l'IA, lui-même, hier. So, nous prenons plus de détails sur Mounsao pour qu'à plus ou moins gagner une idée, parce que c'est pas tout, nous tout gagner une idée sur yo, gagner excité là, on va même jamais entendre du tout. Donc, mais l'important, c'est que, monsieur, lui fait choix de yon équipe, j'en te prévoile, des milliardaires. Moun kap regle a fait l'argent lui-même, c'est milliardaire, son série de gros milliardaires. Et bien, monsieur apprend, et gen moun qui même allait plus loin pour dire le gouvernement de Trump, c'est yon gouvernement qui fait pour et pas les ultra riches. Donc, monsieur, ça a gagné deux. Et pour gagner deux options devant yo. Ou bien vraiment, yo mette toute connaissance avec stratégie yo utilise pour yo venir super riche et au service pays et faire les États-Unis arriver nos niveaux extrêmement riches, ou du moins yo dévaliser pays et puis yo plein boussio intelligemment parlant. Mais bien sûr, pour la vie, nèg sa ap créé en pile projet de loi qui ka devenu loi et kap kembe super riche yo nan yon niveau donc intrépide jusqu'à la fin des siècles. Parce que année sa, pour les 4 prochaines années yo, c'est super riche qui censé pral diriger trésor pays États-Unis selon choix Donald Trump lui-même lui fait là yo. Donc nous parlons dans des journaux qui très renommés et qui ont pile renommé pour qualité information yo même y a bail et information fiable, information de qualité et puis pour une bonne idée mais de moun Donald Trump lui-même lui choisi pour faire partie de cabinet y a là. Donc en pile nan yo gen pile critique qui commence à lancer OK sou yo même et là yo même poser question à une série de démocrates qui nan congrès monsieur pas décidé et fouye bouche nan cause a donc en pile cause et en pile cause k'ap parler en pile bagay k'ap di la nan communauté a on gade et n'ap tere yo mise à jour de comment dossier yo même yoyé. Donald Trump, li fait choix de moun qui pral gérer dossier l'argent. S'il confirme dans poste secrétaire trésor, n'a bien comme gestionnaire des fonds spéculatifs, monsieur le Scott Bessett, c'est monsieur sa cap en charge avec l'autre pour le cap guider projet fiscal administration Donald Trump là non congrès. Pour en plus mise à jour j'en connais habitué faire parce que des monde qui besoin ouais exactement qui moun sa oyé est-ce qu'il ka bon yon idée pour ka fò gen visage moun sa o donc si ou ta gen chance ou croiser avec yon côté pendant wap marche pour pa rater million pour là et même gens barbecue te dit yon bagay nan live et faut que moi dire que émission pour kante la parole. Il m'a demandé pour camper le tout, c'est très très important pour nous donner ça. Émission que les boucanter la parole là, t'as semblé fermé dans le pays d'Haïti. Est-ce que t'as dû fermer? Donc selon qu'on a tel,
qu'on a tellement de pour yo capable et camper émission boucanter la parole. Donc ces derniers détails qui te vinn joindre moi matin et non l'aide Conseil national télécommunication livré par PDG Radio Mega qui c'est Alex Saint-Chiré. Yo dit yo constaté média a utilisé antenne li pour faire propagande en faveur groupe Axam qui a simé la trouble dans capitale Konatel là. Je prends comme exemple émission Boucanter la parole qui fait un dernier jour ça yo côté gain deux gros chefs gang tout le monde connaît qui c'est Jeff Canaran Gaulois et Jimmy Cherizier alias Barbecue. La justice en Haïti avec Nations Unies sanctionné pour acte terroriste. Te bénéficier plusieurs aides et plusieurs aides de temps pour partager message raïssement avec la pérèse contre société. Action sa yo, selon Konatel, violer loi haïtienne yo, mais tout, et article 51-52, décret 12 octobre 1977, qui baille l'État haïtien monopole service télécommunication yo. Dans sens ça, conseil là, l'iman de Radio Mega, et d'après article 130 à 135, même décret ça, pour yo capable camper immédiatement émission boucanter la parole, sinon y a pris sanction contre média. C'est ça. Donc, Neg CPTO le fait là, parce que nous connaissons Jimmy Cherizier te critiqué Neg Sao sous antenne radio ça. Et bien là, nous, c'est Gérald Gilles qui a frappé. Et Gérald Gilles qui a frappé, qui a essayé de mettre plus babouquette dans la bouche la presse. Oui, et Gérald Gilles qui a mettre plus babouquette dans la bouche la presse pour que la presse pas informée de une série de bagailles. Parce qu'on connaît nèg l'État dans le pays d'Haïti. Il a vraiment gagné bon et gens relation avec Gagnon. Et si Gagnon a pu parler dans les médias, comme ça, Gagnon qui a fait connaître vérité. Et puisque Gagnon qu'a fait connait vérité a émission boucanter la parole yo t'a metté babouquette dans bouche li pour pas parler. Messieurs, ou ap gade la, mesdames et messieurs, c'est milliardaire et Donald Trump lui-même, c'est gros conseiller Donald Trump également, qui c'est Scott Bessent, mais c'est Scott Bessent, donc c'est un milliardaire, multimilliardaire, dans la dernière année, qui c'est conseiller principal équipe Donald Trump, c'est monsieur qui pral diriger sa nouvelle trésor public là, dans le pays États-Unis. Président élu Donald Trump l'a nommé hier vendredi, Scott Bessent, notre secrétaire trésor, qui t'a fait appel à un milliardaire gestionnaire de fonds spéculatifs pour capable mener un programme économique qui t'a dû articuler autour de augmentation de tarifs douaniers et une réduction des impôts, etc. Donc, monsieur ça, j'aimerais vous dire là, lycée, yon nan et conseiller Donald Trump, donc yon nan bon jan conseiller Donald Trump depuis des temps, depuis dernière année. Donc, le gouvernement li fait pour et par les riches, d'après sa toute dernière information, yon rive fait nous connaître. Bessent, c'est fondateur yon société investissement qui relève Kisquare Capital Management, qui devenu une principal conseiller économique Donald Trump, dans dernière année écoulée. Donc, li appelé à la réduction des subventions gouvernementales, règlement de l'économie, augmentation production énergique nationale, contrairement à un pile acteur dans Wall Street. Bessent 62 l'année, li également défend une série de recours aux tarifs douaniers, qui yon même ses outils économiques préférés Donald Trump. Monsieur Scott, c'est un équipe très respecté comme une plus gros investisseur international, une stratège géopolitique économique dans le monde blanc. C'est ça, Donald Trump déclaré dans le communiqué, l'été publié sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Donc, monsieur dit comme ça, histoire Scott Bessent, non, lui c'est rêve tout américain. Yo. Donald Trump déclarait, ensemble, nous apprenons l'Amérique à vivre plus riche, plus prospère, plus abordable, surtout, nous apprenons à vivre plus grand à nouveau. Ça, c'était un slogan de Donald Trump pendant toute campagne électorale là. Donc, Trump l'a continué, eh bien, augmenter cabinet avec les ultra riches pour le capable faire revenir devenir une réalité, mesdames et messieurs.
Donald Trump également le docteur Dick Domen, démocrate Illinois, libre qu'a présidé et commission judiciaire, lui mandé équipe élu Donald Trump là pour effectuer une vérification antécédent de Pam Bondi dans cadre nomination dans poste procureur général là non communiqué. Et Domen lui déclare que vérification antécédent yo était très habituel et dans cas ça nécessaire étant donné que Bondi c'est avocat personnel Donald Trump. Mélanie qui est ancienne en future première dame non, li nommé Ali Harrison nan poste chef cabinet. Nan chef cabinet li bureau Donald Trump l'a déclaré sur réseau social que Harrison li maintenu un rôle essentiel et un leadership exceptionnel également nan équipe première dame nan. Donc c'est tout moun kap monté équipe yo la kap ren bagayo vin et plus clair de gens que yo té avant. On ouais équipe moun qui fondé et cabinet Donald Trump avec Fox News qui présentait plus ou moins une idée claire avec image des monde qui représentait cabinet Donald Trump là image ou ab garder là yo que nous allons garder plus détail sur yo c'est monde ça yo Donald Trump lui-même lui fait choix pour capable former cabinet yo. Donc même les Américains yo pa gen trop idée de moun sa yo allez wa pour même pour diable qui va même dit en faire nouvelle pour ta konn ki moun et même monsieur lui-même li choisi pour capable faire partie de cabinet matin c'est bagay ça qui a fait actualité on garder donc ça c'est son femme bon mazali même pas même mais paraît devant caméra télévision so c'est lui même qui chef cabinet donc Donald Trump c'est pas moun qui remet trop popularité donc nous connaissons Suzy Wise donc c'est chef cabinet Donald Trump lui-même. Nous avons ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies qui c'est Elise Stefanik. Donc Elise Stefanik, c'est représentant républicaine dans New York actuellement. C'est président conférence républicaine dans chambre des représentants. Donc c'est un chien attaque litéré dans le Congrès pour Donald Trump. C'est fervent partisan Israël. Il fait la une des journaux pour question agressive. Donc à président au président des universités etc. de Livilid sur gestion manifestation anti-Israël. Mesdames et messieurs, voilà eh bien madame ça qui c'est Stéphanie Donald Trump lui-même lui t'a fait choix dernièrement pour capable représenter les États-Unis auprès de Nations Unies. So that's why ou est que gon marché pressé dans Nations Unies pour que cap de temps changer force MMSS là avec en mission de l'ONU parce que nous pas connait qui position dame ça lui-même qui va représenter les États-Unis, Nations Unies, libéral prend. Est-ce qu'elle pourra le supporter bagay ça? Est-ce qu'il a continué soutenir une mission ça qui en Haïti? D'ailleurs, il y a un marché pressé sérieusement là parce que mission qu'en Haïti a son mission démocrate, son mission Joe Biden, ça veut dire et pour mission ça a continué, faut que l'ONU t'a déjà et mais signé des documents qu'elle pourra déverser l'argent pour qu'elle soutenir mission ça. So, avant d'amza à monter, il a gardé qui ça capable fait et bien dans dossier si là. Mardi, Donald Trump a annoncé que représentant Michael Walls, républicain Floride, ancien beret vert de la MEA, l'ISA conseiller sécurité nationale. Donc c'est monsieur ça. Nous avons ça des frontières qui c'est Tom Roman qui sont ancien directeur par intérim service américain et immigration et des douanes. On a parlé de ICE. Lui c'était architecte politique tolérance zéro Donald Trump au cours de première administration. Mais monsieur a donc son monsieur pas mangé. Anye fret, Tom Oman, mou kwenite déjà, fonti passe sous Tom Oman. Donc, ambassadeur Israël, c'est monsieur ça qui c'est Oukabi, ancien gouverneur à Kanza, que Donald Trump choisi comme ambassadeur en Israël. Nous connaît dossier guerre pour camper guerre Israël là, avec Hamas là. C'est guerre, c'est dossier ça qui vraiment attaqué Kamala Harris dans l'élection tout passé là. Si gen deux bagailles qui lagué Kamala Harris, à terre, c'est dossier économie en prix produit de première nécessité qui trop haut avec dossier guerre ça qui en Israël ça. Gouverneur à Kansas là qui c'est Mike Huckabee, c'est lui qui est ambassadeur de Donald Trump en Israël.
nous gagnons ici là donc Zeldin qui a dirigé les pas donc envoyé spécial par moi en Moyen-Orient et Steven Wichtoff donc mais administrateur agence protection environnement administrateur agence protection environnement c'est monsieur ça les Zeldin son ancien républicain dans la chambre des représentants à New York il a réalisé une performance remarquable forte mais infructueuse dans course dans poste gouverneur contre Cathy O'Toole en 2022 donc voilà et c'est monsieur Silla qui dans agence protection environnement. Envoyé spécial pour Moyen-Orient, c'est Steven Wichtoff. Et Meni, c'est monsieur ça, Steven Wichtoff, qui est fondateur, directeur général de Wichtoff Group, LLC. Donc, c'est lui-même, Donald Trump, et bien, abvoyé dans Moyen-Orient pour capable de représenter pays États-Unis. Conseiller juridique Maison Blanche William McKinley, donc même chez ça, McKinley lui-même qui était servi comme secrétaire cabinet dans Maison Blanche pendant premier mandat présidentiel Donald Trump là. M'bral dit tout et puis ou même ou a fait remarque ou a dit qui plus gros remarque ou fait donc dans tout le monde Donald Trump choisi là yo. Dit plus gros remarque ou fait et ma bon poule par rapport à l'ancien gouvernement et nouveau gouvernement, ancienne administration et nouvelle administration qui pourra monter là, dans le mois de janvier. McKinley, il était servi comme secrétaire cabinet Maison Blanche pendant premier mandat présidentiel Donald Trump. L'après tourner dans Maison Blanche là pour un deuxième mandat Donald Trump, comme conseiller juridique Maison Blanche, l'a mené recherche clé et recherche clé en coulisses sous candidat potentiel la Cour suprême. Yo. Voilà, et il y a l'autre monde, Donald Trump lui-même, lui choisit, qui c'est monsieur McKinley William. Comme directeur de la CIA, yon agence Donald Trump gagne bon petit problème avec pas faire confiance et Donald Trump te vraiment diabolisé équipe sa yo jusqu'à ce que te gagne vinn des tentatives et mais assassinat sous lui-même nom avec FBI également donc monsieur relé lui-même Wycliffe qui était déjà servi sous Donald Trump déjà yon lors de premier mandat Donald Trump là en tant que directeur renseignement national DNI et libéral dirigé désormais le Centre Intelligence Agency CIA. En 2020, il recevoir médaille sécurité nationale plus haute distinction nationale pour relations remarquables dans le domaine renseignement et sécurité nationale. Monsieur ça, Wap Gadela, le John Wycliffe, mesdames et messieurs. Donc, nous gagnons en tête département de l'efficacité gouvernementale Elon Musk avec Vivek Ramaswamy, donc deux milliardaires ça yo, deux nègres l'agence ça yo, yo même, c'est un nouveau département, Donald Trump à peine monté, monsieur ça yo, c'est yo même qui peut aller gérer l'efficacité du gouvernemental, il prévoit faire un pile moun petit job yo, donc éteindre souffle un paquet de bagaille qui pas trop important, côté l'État lui-même, l'a dépensé l'argent, sont à quoi avec yo même Jean et Jimmy Chéris était dit à Genek de pourquoi ça avait lui qui nous pas qu'à l'aide de pourquoi ça de monsieur ça lui qui nous pas qu'à l'aide mais une spécialité monsieur ça lui même lui gagne premièrement yo dit que dans équipe travail là il pas d'accord forme tête tombé de pour tête tombé la prévoco ça veut dire faut soutien bien campé par contre pour qui non donc monsieur a gagné dans travail il remet ouais monde qui gagne dans bon créole tête doubout donc et il y a toutes les accusations que il était dans plusieurs femmes ceci c'est là donc bah est sous deux donc mais spécialité monsieur c'est révoquer moun on est qui ba en pile job mais nèg li plus révoquer moun donc moun riche révoquer moun en pile yo plus qu'on en révoquer moun que nan ba moun job et Ramaswamy avec Elon Musk donc il était choisi par président Elon Donald Trump pour cap diriger département efficacité gouvernementale. Donc, le secrétaire de défense, là, qui c'est Petit Yeg 7, jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas est-ce que le Sénat lui-même l'a approuvé, monsieur. Trump l'a nommé Yeg 7 à la tête ministère de la Défense. Donc, le Sénat a dû confirmer le choix ça pour l'occuper pour ça. Yeg 7 lui défend depuis longtemps, yon l'armée forte et des causes vétérans. Lui a servi en Irak et en Afghanistan en tant qu'officier. Donc, infanterie. Donc, ça te fait le vaut 2 étoiles de bronze et badge
Fantassin. Donc nous kabwe qu'on y a tout, nous kabwe gon haïtien toujours et lui même a on défend sur réseaux sociaux yo té dans l'armée, nous qu'on y a été démocrate, était candidat démocrate donc assemblée qu'on y a le républicain, on pas citer non monde. Et Pierre Gsett lui-même dans ministère de défense monsieur doit joindre approbation Sénat. Secrétaire à la sécurité intérieure Christine Noem m'a dit Donald Trump t'est nommé gouverneur Dakota Sud Dakota Christine Noem donc comme monde cap secrétaire ministère intérieur mais madame non donc c'est gouverneur et ben son gouverneur et Milwaukee. Qui voilà mais madame non donc c'est gouverneur Sud Dakota là elle termine Milwaukee voilà et dans convention nationale qui s'est faite 15 juillet elle était là ou bien et job lui déjà assuré comme secrétaire à la sécurité intérieure pile gros l'argent qu'a brassé là nèg Haïti a passé l'ang nan bouchio les mounzao parce que vous rappelez l'été qu'on vient gouvernement formé en Haïti comment job te qu'on a distribué jusqu'à maintenant qu'on est là c'est la bourgeoisie qui a séparé job dans pays en tout. Nous avons Mike Walls, qui se représente en régional, donc lui-même. Nous avons chef cabinet adjoint politique conseiller sécurité intérieure, là, lui-même, lui, c'est Steven Miller, mais monsieur A. Nous avons chef cabinet adjoint affaires législatives et politique publique, James Blair, nous n'avons pas la photo. Nous avons chef majeur adjoint chargé communication personnelle, Taylor. Eh bien, nous avons également directrice renseignement national, là, Tulsi Gabbard. Meni et nous gagnons secrétaire d'état Marco Rubio qui c'est un bon jeune latino nèg qui saute dans pays Cuba. Nous gagnons procureur général des États-Unis Pam Bondi mais madame non. Nous gagnons procureur général adjoint Todd Blanche mais monsieur a soutawel pas sorti son bagage non mais on. Et nous gagnons Robert Kennedy qui a annoncé lui comme candidat démocrate et qui s'était candidat démocrate c'est nèg cap nan tête ministère santé a meni procureur des États-Unis pour district sud New York là donc nous gagnons c'est Jay Clayton mais Jay Clayton et nous gagnons tout secrétaire au ancien combattant de Colin voilà nous gagnons également solliciteur général des Nations Unies Dean John Swer meni donc là nous a image tout nèg yo et nèg yo commencé gagne sourire sous les yeux avant yo pas gagne nèg ça yo toujours mettre yo dans bagaille gros et poste chef donc nous avons Steven Chung vendredi. Donc, monsieur, c'est assistant président, directeur communication. Mais monsieur, donc c'est Steven Chung. Depuis sous gel, ou kapawe, c'est un asiatique. Donc, qui appelle là comme directeur communication et puis assistant président Donald Trump. Sous besoin parler ensemble avec lui, ensemble Trump, parle avec monsieur Steven Chung, c'est porte-parole ancien président américain Donald Trump. Non, ok, ancien porte-parole. Ouais, tout le monde, ça, on cite là, yo, tout est dans le gouvernement passé. Donc depuis ces moun Trump te gen nan gouvernement passé al monte ak tout Sergio Gore c'est directeur personnel présidentiel attaché de presse Caroline Levitt lui-même Trump annoncé comme porte-parole campagne Caroline Levitt occupé poste attaché de presse également donc jeune ti moun ki pi jeune je crois 27 l'année assistant président secrétaire personnel William Owen secrétaire énergie Christy White, et bien président Commission fédérale communication Brandon Carr, et nous gagnons secrétaire au transport Sindofi, nous t'ai parlé déjà de lui-même, secrétaire en commerce Howard Lutnick, et nous gagnons administrateur centre de service Medicaid, Dr. Mehmet Oz, Meni, donc le caractère docteur, secrétaire d'État à l'éducation Linda McCohen, et nous gagnons ambassadeur auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, et nous gagnons ici là, monsieur Scott Bessent, qui nous a parlé, donc c'est milliardaire ça lui-même, donc qui c'est de co-directeur fondateur général qui se croit groupe. Donc voilà, monsieur ça, que Donald Trump lui-même l'a choisi pour régler à faire trésor dans le pays. Scott Bessent, fondateur groupe, l'a choisi pour le cadre de poste et convoité secrétaire trésor. Non, secrétaire trésor, c'est Scott Bessent, Donald Trump choisi.
Donc, Roussel Vaud, directeur bureau gestion et du budget des troupes en juillet 2020. Donc, Donald Trump choisit monsieur comme secrétaire trésor. Monsieur ça, s'il était noir, il tape tout Ariel Henry. Ok? Si monsieur était noir, il tape tout Ariel Henry. Puis, même lunette là, même babe là, soit Ariel Henry en blanc, pas même quoi, pas Ariel qui tombe dans pas ses crèmes, il n'y a pas job, voilà. Donc, voilà. Ce monsieur là. Donc, nous avons besoin d'arriver là et après vous, nous joignons Scott Turner, ancien directeur exécutif dans White House. Ça veut dire, non, et Nexa, il était toujours Scott Turner, c'est ancien directeur exécutif White House là. Opportunity et révélation console dans sommet America First Agenda, American Force Policy. Donc, nous avons fait partie des groupes Donald Trump là. Également, et M. Abjouol, secrétaire, comme secrétaire ministère logement et développement urbain. Trop plus nommé Scott Turner, non pas secrétaire département logement. Développement urbain, Turner qui c'est président Centre Education Opportunity, un ancien joueur football professionnel et précédemment il était directeur exécutif White House Opportunity et puis Revitalization Console. So monsieur, il c'est un pasteur également, c'est un vétéran NFL. Donc Scott c'est un vétéran NFL qui pendant premier mandat c'est premier directeur exécutif White House là. Donc monsieur c'est un pasteur dans l'église Adventiste, OK, dans l'église Adventiste également, ancien législateur et Turner c'est ancien législateur dans l'état Texas. Il était joué 9 saisons en FNL en tant que membre et Redskins Washington, Chai, San Diego de Bongos de Denver. Donc voilà, donc monsieur qui c'est premier black Donald Trump mettait dans équipe là encore ses anciens collaborateurs Donald Trump. Et me pas connait qui remarque ou fait et bien toujours donc me t'ai besoin rivé sous monsieur Silla mais bien toujours donc d'après Scott Turner secrétaire travail Laurie Chavez secrétaire du travail nous gagné directeur CDC docteur Dave Weldon. OK, donc CDC Dave Weldon républicain de Floride choix pour poste directeur centre pour contrôle prévention maladie. Contrôle prévention maladie, c'est ça que c'est dit, signant directeur, c'est Dave Weldon. Et commissaire de la FDA, donc Trump choisit docteur McCarthy Macari, donc comme directeur de la directrice de la FDA, mesdames et messieurs, donc comme chirurgien général Jeannette Neshwat. Et puis, etc. Donc, sans ce groupe-là, assistant adjoint président directeur principal, lutte contre terroriste, Sébastien Goka. Etc. Donc, Trump a continué. N'a pas gardé qui moun qui rete, n'a pas suivi le journaux aujourd'hui pour connaître qui moun qui rete, eh bien, non, et pour capable finaliser le cabinet Donald Trump là et puis pour Sénat lui-même capable continuer confirmer moun l'a confirmé un poté critique sur moun l'a poté critique. C'est un plaisir pour me te faire une idée parce qu'en pile dans nous c'est américain nous pas vrai donc faut nous connait qui moun qui pral desservir nous. Est-ce que nous connait moun ça déjà? Nous passons dans l'autre dossier qui c'est scandale dans le pays États-Unis. Un ancien trésorier Arizona plaide coupable d'esque lui-même lui te volé 38 millions de dollars. Mon cap volé, il va être vicieux, non? Il a ça à vol. Ok, gros vol d'État. Et pour qui ça dit là, fait pour lui mettre comme là? Il prend le travail pour lui mettre lui. Mon pape, j'en mourir. Bon, combien a payé là, combien a payé, même si on paye 1 million de dollars, pas non, pas finir mettre comme ça. Comment après mettre lui? Madame, non, lycée élu, un petit groupe, un petit comité, oui. Un petit comité, mesdames et messieurs. Un petit comité. Un petit comité. Ce n'est pas un gros poste dans le gouvernement, non. Alors, non, quand on a eu un monde à bouler pour poste dans le gouvernement, pays États-Unis, comment et bagay yo même yo pour qui raison moun nan ap goumen pou poste ça tellement gen l'argent
la donne. En tant que trésorier élu de comté de Santa Cruz en Arizona, pendant plus que une décennie, Madame Elizabeth Gouffard li s'était protégée donc yon fond public et yon nan pipiti konté nan état. Pipiti konté a oui, pipiti zone nan, pipiti quartier len di konté. Mais alors que agence a été destinée, l'agence a, l'agence a été destinée à bibliothèque, district incendie, l'école, l'autre. Madame Gouffard détourné 38 millions de dollars. Li prend l'agence a pour l'acheter 20 véhicules Cadillac, Mercedes, l'acheter bien immobilier et te rivelé rive rénover winch familial d'après ministère justice. Madame Gouffard gen 62 l'année, elle dit la travaille pour lui mettre 38 millions de dollars, la travaille avec l'état. Donc madame Gouffard gen 62 l'année, li te occupé poste la sorti 2013 pour arriver 2024, ça fait 11 ans. Li plaide coupable jeudi devant tribunal fédéral district Tucson et de yon chef accusation de détournement de fonds agent public. 38 millions de dollars, mesdames et messieurs. Donc, madame ça risque pour le prendre jusqu'à 35 l'année de prison. Si toutefois il est condamné et il a prononcé condamnation dans le mois février. Avocat palais il dit il a obtenu un fonctionnaire que il agit en qualité de intendant du gouvernement. OK, non qu'il le pille, déclare Nicole Agentry qui est chef division criminelle ministère justice là. Mais l'important c'est que donc on a besoin ouais et image dame ça pour moi moun qui m'a gagné image li on cherche pour moi si nous image madame Goufa Elizabeth Goufa. OK, Elizabeth Goufa. Elizabeth Goufa nous t'a de connait dame ça parce que un monde qui gagne courage voler 38 millions de dollars. Elizabeth Goufa 38 millions de dollars meni. Bon, gat chen ki nan kou li. E, wale bien, non? Oko wale bien? Elizabeth Gouffard. Image a pas disponible, non? Li fe retire l. Fon jwenni quand même Elizabeth Gouffard. Donc, Elizabeth Gouffard volait 38 millions de dollars l'État. 38 millions de dollars l'État. Ok? 38 millions de dollars l'État. Et ancien trésorier, trésor public là, il volait 38 millions. Mesdames, non? Donc, les mêmes le compte ça pour vous faire que l'argent, il prend 38 millions, l'acheter caille, l'acheter en pile caille, l'acheter en pile Mercedes, l'acheter pile flotte. Donc, ce n'est pas la première fois que nous avons des situations ça dans le pays États-Unis, mais ça, c'est un petit peu exagéré. Elizabeth Gouffard. Donc Donald Trump lui prévoit nous quitter dossier volé ah oui nous même n'a pas commenter sur lui. Donc Donald Trump prévoit réunir une série d'équipes enquêteurs pour l'enquêter sur l'élection 2020 d'après Washington Post. Donc dossier ça nous connaît qui est culpé Donald Trump déjà comme monde qui était tenté donc changer résultat élection pour te capter le pouvoir. Donald Trump même yon jou, li même avec des millions de partisans, yon pas de jambe bouke di que l'élection qui se passe yon te gen fraude là-dedans yon. Donc Trump li décide monter yon équipe enquêteur pour enquêter sur l'élection pour vraiment est-ce qu'elle te gen fraude là-dedans. Si yon découvre li te gen fraude là-dedans, qui a venu Joe Biden, est-ce que qui déjà te gen élection, passe vin président pays États-Unis pendant 4 ans? Qui s'ak pral fait dans situation ça qui a venu Joe Biden avec équipe client si Donald Trump t'a fait des investigations et découvri te gen fraude vraiment dans élection ça c'est volé ou te volé nan men. En pile moun même aller plus loin pour dire Jean Donald Trump gen élection ça année ça li pouvait à clair dans première élection te gen fraude vraiment mais est-ce que son confirmation que est-ce que ou gen preuve Donald Trump pral chercher preuve.
Les États-Unis rivaient déporter monsieur ça. Li son ancien commandant et mais l'armée colombienne non. Mais monsieur ya, monsieur ça, li se ancien commandant et l'armée colombienne non. Donc hier vendredi, monsieur t'a essayé rentrer dans pays États-Unis, monsieur relé Mario Montoya. Mais Mario Montoya, c'est un ancien commandant dans l'armée colombienne. Pendant que monsieur ça, selon journal américain, selon monsieur, pendant que monsieur ça lui-même était commandé l'armée, il était tué en pile civil. Pendant que il était goumé avec groupe gang yo dans pays Colombie, il était tué en pile civil et il était pris en civil yo, il était largué yo dans la rue. Bagay sa yo, yo te passé nan ane 2006 pour rive 2007 yo. Mais monsieur ya, li te tu en pile civil, li fè la police tu en pile civil, la guerre civil yo nan la rue et puis yo di c'est moun ki victime pendant y a bataille. Donc la police te mette interdiction d'entrée nan pays États-Unis sous monsieur ya, et mais t'a pas essayé rentrer là hier, yo pa kite le rentré, yo déporté le tourné nan pays et dans pays côté le sortiant n'a parlé de pays Colombie. La Cour Texas continue donc non ouais un projet qui t'a gagné qui t'a fait face avec en pile opposition sous administration Donald Trump là côté y a metté boule bagaille ça yo là le boué donc y a metté boule boué ça yo donc dans rivière là pour empêcher rivière là li moun traverser de l'eau rentrer dans pays États-Unis. Donc dossier ça là et c'est lui qui a fait actualité kounia là. Ouais mais yo sous de l'eau mais yo donc c'est même pour le mettre dans de l'eau donc pour moun yo pas arriver traverser. Toutefois donc li très profond donc si moun yo rive t'aller pour traverser ou ap mouri ou ap né dans de l'eau. Donc gouvernement Biden n'a pas interdit comme gouvernement Biden n'a pas la kounia et moun yo gen tout pouvoir nan men yo pa gen personne kap empêche yo fè travail ici là voilà qu'on y a yo reprenn activité yo donc toute activité pour empêcher moun traverser frontière là qui censé te bloqué sous administration et Joe Biden nan y a recommencé sous administration Donald Trump là. En pile moun a essayé prendre route là pour rentrer dans pays sorti pays Mexique pour rentrer États-Unis dans dernier jour ça yo nous encourager haïtien pas faire ça parce que route là li fragile li difficile en pile et ou capable même river perdre la vie ou si toutefois ou a essayé prendre route ça gen pile mineur yo rencontré cap traverser route là gen pile qui mouri dans route gen pile mineur également yo croisé parent yo ta abandonné yo pendant que y a traversé gloa gien qui pral joindre et famille yo dans pays États-Unis mais gien tout en même temps yo même c'est traversé y a traversé gloa de manière individuelle ou bien pour continuer abandonné et gien pile critique sous dossier ça dans moment moi-même m'a parlé ensemble avec ou là mesdames et messieurs les choses sont un petit peu compliquées. Nous cap qui t'entendez spécial reportage ça s'il y a lieu mais le a li déjà fait en pile de faux. Non bayon coup de flash dans pays d'Haïti côté que la police lui-même l'a vidé bandi en tête c'est le cas de Tichinay avec Tidjab donc deux nèg sa yo Tichinay avec Tidjab c'est deux nèg qui fait partie des gangs vivent ensemble non qui tape teke konyo avec la popo selon ça la police yo même yo dit donc la police t'a fait connait eh bien Tichinay avec Tidjab donc t'es là et ben deux nèg sa yo yo pa la encore et yo boit de l'eau bouche la police présentait également yon gros zam yo saisi et yo di zam ça c'était zam barbecue t'al nangoumé avec la popo et puis les cartouches mariées donc barbecue te couri qui te zam nan à terre OK barbecue te couri qui te zam nan à terre donc nan bon créole nèg yo t'a dit la police fait barbecue voler en bas cartouche c'est ça et nèg yo t'a dit en bon créole comme barbecue t'es toujours a dit qui côté nèg yo pral joindre ni t'assemblé les et nèg yo t'es manqué joindre barbecue donc monsieur
li lagué pied li. OK, là c'est ça la police nationale fait connait opération policière bandits stoppé, yon zam saisi par la police nationale, plusieurs bandits ont été mortellement blessés dont Tichinay et Tidiab, ainsi connu dans des échanges de tirs avec les agents de l'ordre au cours des opérations yo tap mené. Donc hier jeudi qui était 21 novembre 2024 là dans Babelma. Yo dit des individus ça yo c'était membre actif coalition criminelle Vivre Ensemble, yo c'est allié proche chef gang Jimmy Cherizier alias Barbecue. Au cours de opération ça te gon zam de longue portée de Mac et Kalachnikov yo te confisqué par KPNH là yo même yo te saisi. TNH la dit Tidiab, TNH PNH la dit Tidiab, li se yon réputé, li gen yon réputation pour détournement de camions qui tap transporté carburant et conteneur produits alimentaires. Donc c'est nèg sa kon détourné camion gaz yo, mené yo alors nan base barbecue avec un camion manje yo, mené yo nan base la tout. Et nan moment opération, eh bien la police tap mené yon, mesdames et messieurs, unité spécialisée police nationale là, yote et notamment groupe intervention PNH là yo pas cité non l'autre nèg ça même la veut dire l'autre touriste qui vient dans pays d'Haïti hein. So barbecue était là yo dit Jimmy Cherizier monsieur était là monsieur Koumi c'est là la police a pas saisi zam ça nous est là. Alors c'est pas moi qui dit c'est nèg gang yo qui dit si la police pardon la police complice qui côté et gang te ka fait face avec la police donc yon la police lui-même qui officiel yon la police lui-même qui gagnait et qui gagnait comme quoi dit qui autorité de pouvoir qui légal force légale par exemple j'aime ka fait face avec force illégale c'est parce que la police l'a pas clair d'après Jimmy Cherizier mesdames et messieurs monsieur yo dans pays d'Haïti n'a parlé de coordonnateur national bloc avocat engagé pour libération prisonnier politique yo pour défense droit moun maître Caleb Jean-Baptiste mesdames et messieurs est-ce que nous cap joindre maître Caleb Jean-Baptiste là écoutez maître Caleb Jean-Baptiste il est là donc maître Caleb sonnek dans dernier temps ça qui paraît en pile devant caméra yo oui maître Caleb paraît en pile devant caméra yo pour capable amen fait en dévoilé mais nèg qui fait seulement réduit il pas pas de loi écraser le même mais quel est pas ton besoin pas que l'oreille nèg qui parler un peu pas jamais pas fait ça mais quel est vous fait trop mauvais sang pourquoi ça fait mauvais sang comme ça ou dit bal toujours sous on cherche je viens mettre Caleb pour ta fonti parler à communauté a et mettre Caleb tellement la gueule dans politique qu'on y a pas même que mettre Caleb gain temps pour défendre peuple là encore mettre Caleb tellement jeune persécution OK mettre Caleb tellement jeune persécution et le s'il pas rentrer dans la politique il va mourir that's why mettre Caleb lui-même li parle en pile qu'est-ce que mettre Caleb Abdila monsieur c'est coordonnateur bloc avocat engagé pour libération prisonnier politique pour défense droit moun yo. Donc li longe doit li toute longueur sous plusieurs banques yo qui kembe dollars américains yo mande BRH prend responsabilité pour le faire banque respecter taux du jour là BH fixé yo. Cependant, le critique déclaration président français Emmanuel Macron, ça m'a entré la belle, mais et m'a dit dossier banque en Haïti, son crime n'a pas fait. M'a dit non, petit bagaille très clair. Donc, gan pile nan nous qui nan international là, mais qui problème nous gagne, pas de transaction. Nous vin pas ka ouvrir business en Haïti. OK? Donc, c'est un gros problème qui est là. Ou vin pas ka ouvrir business en Haïti. Ou pas ka payer moun pas ka payer yo. Moi, mettre l'argent la banque, m'pap jwenn ni. Bon comment l'état vle pays ça li avancer si banque yo toujours kembel comme ça. Est-ce donc son banque qui vraiment rend pays à misérable parce que si ou kembel l'argent, mettre l'argent dans banque, m'pa ka jwenn l'argent, m'pa ka faire business dans pays an. Et tout du jour à nous pas respecter, m'pa ka faire business dans pays an. La fok peuple en wè tout dossier banque dans pays d'Haïti an, non dossier gang, sinon di n'ap démanteler gang, si on n'a plus gros gang pour nous démanteler. Parce que si nous kembe le comme ça, pas gè aucun monde dans international là capable faire business dans pays là. Mesdames et messieurs, c'est très important dossier ça pour nous capable gérer. Faut gérer dossier banque là. Si nous pas gérer dossier banque là nous même comment on a fait fonctionner? Li pas clair,
li pa bon. Nous croyons que M. Caleb a défendu une belle cause, mesdames et messieurs. Donc, gérer de ces banques-là pour le peuple lui-même, il est capable de gagner liberté tout, investir dans le pays. Ou mettez 10 000 dollars à la banque, ou pas, jamais jouer une cobra jusqu'à ce qu'on mouille, parce que ce n'est pas 50 dollars, 100 dollars à baoul. Quand on campe dans la banque, on met 10 000 dollars, ou 10 000 besoin de retirer 1 000 dollars, comme la parle encore. Qui côté le fait? Est-ce que la cobra a volé? Mais pas sérieux. Fak bank la kwe ke li même c'est la jan moun la géré. Donc nous pas ka gon banque qui différent de l'autre banque yo. Tout banque a géré la jan moun. Si moun demande l'argent ou pas ka dou pa gagnel. Comment on fait dou pa gagnel? Bon faut que nous respectons client yo. Et nous pas ka mettre tout du jour là non tout pas nous. On font pays tant que tout pays mes amis. Plus ou gen client plus ou fait cob. Nous préfère font bonne cob et puis client yo même y a souffri. Nous avons deux grands clients qui font 1 million de dollars et puis nous avons n'importe 1 million de monde qui sont capables de vous servir dans nous. Nous avons fait 1 million de dollars, nous avons fait 10 millions de dollars avec 1 million de clients. Oui, nous avons fait 10 millions de dollars avec 1 million de clients. Vous préférez faire 1 million de dollars avec un grand client tant que vous-même, vous bâillez toute communauté à service. Donc, nous avons un rôle. Et nous avons un rôle qui est crucial dans le développement paysan. Ça, c'est très, très important, mesdames et messieurs. Donc, mesdames et messieurs, nous avons là. Et puis, Pita, nous avons retourné avec plus de détails. Donc, dans l'autre rubrique d'information, nous avons gagné à 3h30. Tant déjà fait défaut. Nous pas qu'à peu plus. Nous avons croisé Pita, qui ton like ma vidéo, ça, partagez tout côté. Et puis, pour nous capables d'arriver et me faire tout le monde toucher par le travail qu'a fait là. Nous, c'est MPH, pas oublier mon pile, et là, je me dis, maintenant, à tout le monde. Bye bye tout le monde.